Je ne sais pas. C'est comme, par exemple, comme je disais avant, que, par exemple, je dis le mot Italie et ça me fait sourire. J'ai dit le mot France me fait sourire. Israël me fait sourire. Et le Pays Basque aussi. Et là, par exemple, j'entends anarchiste, même que je ne dis pas que moi je suis anarchiste, mais il me fait sourire. En général, tous les anarchistes, c'est des gens généreux, bons. Je ne pense pas qu'ils possèdent la vérité comme ils le croient. Mais en tout cas, croire en eux, c'est croire en une utopie. Et croire en une utopie, ça veut dire avoir quelque chose à faire, toujours aller chercher ce point-là, en tout cas. Ça vous pousse vers ce point. Voilà, c'était tout. Mais vous chantez avec moi, hein? Voilà. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes, des pavés. Ils ont leur devant, ils ont le cœur devant et le rame au mi-temps, et des foutues idées par des foutues idées. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Un couteau pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.